Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound V1.2. Donc, on y va, on charge le truc, ce sera encore un nouveau boss. Nous avons 30 minutes pour le faire, chers amis, grand maximum. Nous sommes partis. Donc, nouveau boss, nouvelle zone, nouveau truc, nouveau bidule. Je me suis armé, j'ai tout fait, j'ai obtenu 1000 pièces d'ailleurs, j'ai pas remarqué que j'obtenais 1000 pièces. On a encore un truc à ouvrir ici, on va tout casser d'abord. Est-ce que j'ai pris des objets de soin? Oui, de toute façon j'ai mon bâton. Ok. Ça tombe bien, il me faut des stats XL pour la prochaine clé, chers amis. Comme quoi, le monde est bien fait. Parfois. Je vais rajouter le parfois. Hop. Donc voilà. Crac. Donc j'espère que vous aurez passé un bon week-end du nouvel an, on va dire. Hop. Voilà. Joli le piège. Regardez ça, c'est sympa quand vous marchez dessus, ça. Enfin bref. Hop. Crac. Tu ne m'auras pas. Du cuir, c'est pas véritablement ce qui m'intéressait. La vache! J'ai loupé le dernier coup. Ça a été puni. Voilà, je l'ai eu. La crossbow. Je l'ai touché. Raté. Je croyais qu'il allait y arriver. Honnêtement, je croyais qu'il allait y arriver. Qu'il allait y arriver. Tu sautes? Je suis sur un pic agressé par deux entités différentes. Boum. Vas-y, j'attends. Crac. C'est explosif, ça dit donc. Ouais. Où est-ce qu'il est? Là. Boum. C'est pratique, ça dit donc. Ça me plaît. Touché. Voilà. Merci. Du coup, crac. On va en profiter à fond. Question, on me fait toucher par l'explosion? What? Ça, je l'ai pas vu venir. Non, non. Retourne à ta place, c'est bien mieux. Oh la vache, je le loupe. Aïe! Scrognogneux! Merde, je me prends des tirs venus de nulle part. Faut que j'arrête ma santé pour le boss. Boum. Faut que j'arrête d'utiliser celui-là. C'est pas le bon non plus. Pas le bon non plus. Ah! Tu le sens, mon poison? Mon gros poison? Je sais pas si ça peut se dire. Le néant. Le néant, je crois qu'il attire les choses, c'est ça, hein. Vous m'aviez dit, hein. On va vérifier ça. C'est parti. Tiens. Un être fait de lumière. Voilà, c'est ça. Il y en a un autre qui les tient à l'écart. C'est bien ça, merci chers amis. Explosion. Oula, t'es passé à travers le mur, désolé. Je crois que je te reverrai plus. C'est intéressant, c'est... inutile, mais c'est intéressant. Soit ralenti. Par contre, c'est pas très puissant comme arme. Ah non, c'est juste eux qui sont balèzes, excuse-toi. Voilà. Donc finalement, vaut mieux choper tous les trucs, hein. Vaut mieux casser tout le bordel. Bon bah, c'est un coffre. Ah bah, cool. Ah oui, j'avais oublié que les coffres ils donnaient ça comme ça. Oui, parce que quand on voit la quantité de trucs qu'il faut pour réussir à améliorer l'arme ou n'importe quoi, il vaut mieux en avoir un maximum, hein, clairement. En tout cas, c'est mon avis. Hop. Oh, ça repop par là. Aïe, laisse-moi le temps de charger mon arme. Bon, tant pis, je me suis fait toucher deux fois de trop. Tu veux bien merci. On va pas remonter, on va passer par en bas directement. Crac. Allez, un petit peu de régène supplémentaire et ça sera bon. Merci. Allez, on monte. C'est bien parce qu'il me faut les static cells. J'ai l'impression qu'ils en donnent beaucoup plus dans cet univers. Non, c'est moi ou... ils sont beaucoup moins radins. Non, c'est peut-être moi. Hein.
C'est joli en tout cas dans le coin, dis donc, ouais. Faut pas dire, mais. Viens, viens voir papa, hop. T'es quoi toi, t'es un monstre? T'étais peut-être pas un monstre finalement. Ok. L'eau qui nous ralentit bien, comme toujours. Alors toi par contre, tu vas te prendre de l'explosif plein nez. Ah, je peux pas parce que je suis... J'ai déjà plus de balles. Dégage. Ah merde, c'est vrai, j'avais oublié. Le dernier coup, il les envoie pas valser, littéralement. Hop. Raté. Ok, là il y aura forcément des choses intéressantes. Même pas. Je me suis pris des coups, mais... Mais ça va, c'est rien de bien méchant, comme on dit. Je suis un peu vexé que ce ne soit que ça, cela dit. Hop. Alors j'espère que ce n'est pas du temps gâché, c'est-à-dire qu'on va bien arriver à gérer le boss de fin. Boum, ça prendra. Ça c'est efficace aussi ça. Je veux pas dire mais... Alors ça c'est le côté qu'on a vu tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'on remonte finalement? Ok, viens voir papa. Ah merde, j'ai fait trop tôt. Je pense l'avoir fait trop tôt. La vache, le deuxième, le rappel de la lame fait que je... Regardez, ça pompe en fait, jusqu'au bout. Ça, en fait, la lame pompe jusqu'au bout mon énergie. Autrement dit, peut-être qu'un stuff énergie avec cette lame pourrait être sympa. Je vais essayer de remonter comme ça, on verra bien. Crac, nous sommes à peu près 7 minutes d'épisode, chers amis, on a largement le temps encore pour faire ce boss. Alors j'ai l'impression que ça vous plaît plus, en tout cas en termes de facilité de lecture des vidéos, entre guillemets, le fait que ce soit des vidéos un peu plus courtes, du coup je pense que je vais rester sur ce format là, en plus c'est ce que vous réclamiez depuis quelques temps déjà, soyons honnêtes. C'est vrai que des vidéos d'une heure, trois par jour, ça fait un petit peu beaucoup à regarder, je suis désolé. Mais bon, j'aime ce que je fais, donc du coup j'ai du mal à m'arrêter, c'est normal. Hop, merci d'être venu. Pourquoi il leur faut trois coups ici? Oh, il m'a touché, je pensais pas qu'il me toucherait. Parfait. Je savais pas que je pouvais reculer aussi vite qu'ils avancent. Bien joué. On va se recharger un petit peu en énergie. Enfin, plutôt en santé. Puisque l'énergie existe aussi en termes de valeur dans le jeu. Hop. Alors, c'est bon. Et je pense que d'ici quelques épisodes, on va passer sur le farm des différents composants. Putain, regardez ça, j'avais pas vu. Voilà. Ah, je peux pas le péter. D'accord. Donc je suis obligé de passer par là, finalement. On va aller voir ce qu'il y a par là. Ouais, ça va lui faire du bien d'avoir des dégâts en plus à cette arme, hein. Je veux pas dire, mais... D'accord, donc ça c'est la fameuse porte qu'on avait vue tout à l'heure, vous savez, au tout début de l'épisode. Donc comme vous l'entendez, je suis encore à moitié malade, mais je sais pas ce qui se passe en fait. C'est nouveau, ça vient de revenir en fait. C'est arrivé dans la nuit dernière. Oh, je le sens bien le truc dans le coin là. Non, y a rien? Ah bah dis donc. Je l'aurais parié pourtant. Là, il y a forcément quelque chose, vous voyez, il y a une pièce. Bon, allez vite, tu me diras. Bon, c'est pas bien grave. Là, il n'y a pas un seul mob, ça m'inquiète. J'ai rien dit. Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Je me ferai toucher bêtement. Alors, quel est cet endroit? Un piège. Oh! Un piège! Et rien d'offert! Quel dommage. Honnêtement, je suis vexé. Je suis même déçu, je dirais. Ok. Un petit peu plus de santé. On va regarder en termes de bouffe aussi ce qu'on a. Je crois que j'avais refait du riz, normalement. Parfait. Crac.
Voilà, double santé, ça fait du bien par où ça passe. Santé, chers amis. Hop, bonne année, bonne santé, comme on dit. Désolé. Ah oui, c'est vrai, c'est des pièges, ça. Ah, je me suis fait blesser bêtement. Ok. Allons-y. Oh, je vais rentrer dedans, mais alors comme un noob. Joué. J'étais un peu plus bas. En vrai, j'ai le droit à de la régène vu que je suis full santé. Je sais pas ce qu'ils font déjà. Ah oui, c'est vrai. Je croyais que ça rebondissait, mais apparemment non. Non, il était rapide pour la balancer, sa petite bouboule, lui. Hop. Un petit peu d'essence ancienne supplémentaire. Ou d'essence de l'ancien, c'est rigolo parce que j'ai obtenu. Je suis pas dans un jeu vidéo. On m'a offert le signe des anciens, le jeu de société. Alors je l'ai enterré dans le mur, mais je crois qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Ah, ils sont rapides à les balancer leurs bouboules. Ça me choque. Non. On va l'affronter comme un pro. Hop, voilà. Comme ça, il passe son temps en invisible et vous êtes tranquille. C'est ça, la magie du bâton. J'ai vu un coffre. Je vais m'empresser d'aller chercher. En m'arrêtant ici. Non! Mon argent! Oh, le combo était beau. Le combo était joli. Et ici, je n'ai rien. Ok. On récupère un petit peu de santé. On va même en profiter pour manger un petit bol de riz au passage. Ce qui accroît la vitesse de régénération. Parfait. Cet XL, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Pour la prochaine clé, comme j'ai pu vous le dire en début d'épisode. Putain, il est solide celui-là. Même en chargé, il a besoin de deux coups. Enfin, de deux combos. Attends, mais regardez, même ceux-là, ils en ont pas besoin, quoi. Ils sont vraiment balèzes. Je voudrais éviter de le repousser, voilà, dans le trou. Ok. On va aller voir par là. C'est un cul-de-sac, donc je pense que c'est un des derniers cul-de-sac qu'on va voir dans la... Dans la zone. Je pense qu'on va arriver au boss d'ici très très peu de temps. Je pense même que c'est la salle justement en dessous, là qu'on peut voir en bas à droite gauche de l'écran. Hop. Alors, comment je vais la voir? Oh, je peux le frapper deux fois? Je savais pas. Merci de me l'avoir dit. Il y a une essence, regardez, qui est planquée ici. Crac. Ok. On n'est pas trop mauvais. Donc ce qui veut dire qu'il faut que je descende encore un petit peu finalement. Mais donc on est bien dans ce que je disais, donc dans les dernières lignes droites si je puis dire. De cette zone. Vous voyez, c'était ici en fait. J'espère que je peux redescendre. Ça s'est refermé. Ah, je savais qu'il finirait pas me toucher. Il y a un timing à avoir, chers amis. Un coffre. Cool. Ça en fait des essences, on a combien? 2800, je crois qu'il en fait les 3000 et quelques. Donc je pense qu'on va pas pouvoir améliorer notre arbalète tout de suite encore. Hop. Ah, oh, c'était génial ça. Ah, je t'ai vu. Ça c'est le boss. Ah! Est-ce qu'on est fou, chers amis? Est-ce qu'on veut se faire le boss? On est à... On est à combien de minutes de l'épisode? 15? La moitié? On est à 15! Ah! On va profiter de la moitié restante pour le faire. Allez, on y va. Soyons fous. Hop.
Ah, c'est pas le même boss que la dernière fois. Voilà, je m'en doutais. Faut qu'il vise ces trucs-là. C'est pas le même. C'est peut-être le premier boss qu'on a fait, je ne sais plus. Hop. Meurs, charogne! Qu'est-ce qu'il va nous faire? Hop. C'est bon. Ah. Hop. Ah, je l'ai loupé. Quelle horreur. Voilà. Parfait. Hop. Bien joué. C'est bon, gagné. Ah bah c'était pas un des plus durs hein. Honnêtement Donc j'ai gagné un floral microformer. Donc si on fait bien les terraformers hein, chers amis, c'est pas des petites choses. Vous allez le voir tout de suite, regardez, je vais vous les montrer. Donc finalement j'ai un floral, j'ai un squelettal et un glow mushroom. Donc c'est sympa on va dire. Hop, vous voyez je peux en acheter d'autres avec l'entité on va dire élémentaire adéquate et l'essence ancienne adéquate. En quantité suffisante on va dire. Voilà, je peux rien acheter d'autre dans ce coin, d'accord, voilà, on est d'accord. Ok. Et donc on a la fameuse enclume ici, et on a suffisamment pour les améliorer. Adaptable crossbow, une étoile. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas à quoi ça correspond. J'imagine qu'elle fait plus de dégâts. Mais est-ce que c'est véritablement beaucoup plus? Je ne sais pas. Mais par contre je me rappelais pas que ça faisait des... Que les armes avaient des symboles comme ça. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Alien Worm Gun, il va me falloir un peu plus de trucs. Ok, ok, ok. Bon. Eh ben on s'en va. On s'en va, et vous allez voir que j'ai amélioré un petit peu le vaisseau sur certains points. Hop, on va remonter dessus d'ailleurs. Crac. Tac, 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 tac. Voilà, ici j'ai rajouté des coffres justement pour garder un petit peu tout ce qui est... Alors, si on les retrouve, voilà. Tout ce qui est ces choses-là. Qui permettent justement d'entrer jusque là en tout cas dans ces vaults. Ça pourrait être sympa d'en avoir un maximum. Vous voyez, j'en ai 10 suffisamment pour avoir accès à la prochaine clé. Mais ce n'est pas ce que nous allons faire. Nous allons nous chercher des planètes particulières. Et j'aimerais même trouver un système dans lequel il y aurait une planète particulière. Ça c'est une scorched. Ce n'est pas ce que je recherche par conséquent. Ça c'est une lune. Hop, c'est toujours pas ce que je recherche. J'aimerais donc retrouver, si possible, vous savez, les planètes dans les systèmes. Alors, je suis dans une Fiery Star. Alors, j'espère que c'est pas que dans les Fiery Star qu'il y a ces choses. Radioactive, radioactive, frozen, radioactive, radioactive, températe. Voilà. Moi, j'aimerais chercher, je vais essayer de vous en trouver une tout de suite à vous montrer. Donc, ça, c'est une dry. Ocean. Snow. Ocean. J'essaie d'en trouver une assez rapidement. Températe. Je vais quand même partir sur la droite. J'étais parti sur la droite quand j'ai fait les miennes. Il n'y a rien du tout là. C'est rigolo. Ok. Frozen. Voilà, par exemple ici. J'ai pas le truc. Voilà, là j'en ai une. Donc il me faudrait que je trouve une Barren Life. Dans le coin. Ah bah, Barren World. Voilà! Crac, donc nous on va aller là-dessus chers amis, et on va se faire une petite colonie on va dire.
une petite colonie avec différentes choses, une ferme si possible déjà pour commencer. J'aimerais commencer par une ferme, donc une ferme à animaux en l'occurrence. Pour cette construction, nous allons avoir besoin de plusieurs choses, dont des œufs que nous allons choper directement à l'outpost. Je vais vous montrer tout ça dans le prochain épisode, je pense. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!